Hey, bonjour à tous! Nous voici à froid, non sur la route comme d'habitude, devant le R6N2 2009. Voilà, je voulais faire une petite présentation vite fait des motos avec lesquelles je roule. Donc là, le R6N, on l'a acheté maintenant il y a un peu plus de 6 mois. Voilà la tronche que ça a. Petite Kawasaki bridée du coup en 34 chevaux. Alors là, je vais juste vous présenter vite fait les options qu'il y a au-dessus, enfin les choses qu'on a rajoutées et qu'il y avait déjà du coup à l'avance. Alors on commence par les roues. J'ai rajouté les liserés de jantes roses. Oui, c'est rose. Acheté sur eBay pour une dizaine d'euros. Du coup, j'ai ça sur les quatre pneus. Enfin, sur les quatre. Sur les deux, mais il y a de chaque côté, quoi. Et avec le reste, j'ai collé sur la carrosserie, du coup, le reste du déliseré. Pour ajouter la petite touche féminine à la moto. J'ai ajouté aussi du coup le protège-réservoir, il n'y avait pas dessus, du coup là j'ai collé un Monster rose. La salle confort était déjà dessus. Une salle confort, normal quoi. Il y a aussi les embouts de guidon que j'ai changé. J'ai mis des violets, rose il n'y avait pas. En fait je pensais que ça allait être la même couleur que les liserés, mais pas du tout. Bref, entre internet et la réalité, les embouts de guidon, je les ai achetés aussi sur eBay, je crois. Pas très cher, 2 euros, je crois. Les embouts de guidon. Mais je crois que le diamètre était un peu plus petit, du coup, ça j'avais un peu de mal à trouver des embouts de guidon qui correspondaient au guidon. Parce que le guidon aussi, je l'ai changé. Quand on l'a acheté, en fait, elle avait le guidon un peu tordu, du coup, je l'ai changé par un guidon noir. Un peu plus street que celui d'origine, mais ils avaient plus celui d'origine. À part en chromé, mais je trouvais que chromé ça allait pas trop avec le reste de la moto. Du coup, je dis bah tant pis, on va mettre un noir street. J'aime pas trop la conduite street, mais bah, ça change un peu quoi. Tu fais pas beaucoup de route avec parce que ça te pète un peu le dos quand même, mais ça va, c'est ça va. Sinon, qu'est-ce que j'ai changé? Je crois que c'est tout. Ah non, les clignotants arrière aussi, je les ai changés. Parce que ceux qui avaient dessus, ils se pétaient la gueule, il y avait du scotch, ils tenaient avec du scotch, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, ceux-là achetés sur Wish aussi pour 2-3 euros, c'est du LED. Ils éclairent très très bien, ils fonctionnent très très bien. Ça fait bah, du coup 6 mois qu'ils sont aussi sur la moto. J'ai pas eu de problème d'étanchéité. Normalement, ils sont homologués, c'était écrit sur internet quand on les a eus. Ce qu'il y avait déjà dessus, du coup, il y avait la selle qui était déjà. Le pot avait déjà été changé. C'est un Lovins. Les top blocks de chaque côté, bon, ils ont pris un peu, on voit. Hein. En même temps, je pense qu'ils n'ont jamais été changés depuis que la première personne les avait mis dessus. Donc voilà, ER6N 34 chevaux, 2009. On va passer à l'avant de la moto. Du coup pour les commandes classiques, hein, les phares, warning, clignotant, klaxon, appel de phare devant, de l'autre côté, coupe circuit et allumage, il n'y a plus le petit dessin. Elle est vieille en même temps. Pour... le compteur du coup. Il y a une petite. Là, on sait qu'on est chez ER6, il y a écrit ER6 quand on démarre. Voilà, contour. Qui n'est pas digital du coup, à part pour. Je sais pas comment ça s'appelle ça. À part pour les tours minutes quoi. Là, ce qui est bien sur les ER6, c'est que on a une jauge à essence. On n'a pas ça sur toutes les motos. Sinon, on a le nombre de kilomètres que l'on parcourt. A, B, l'heure et le kilométrage total, du coup là 58 028 km. On retourne.
va avoir le bruit, du coup on va la démarrer pour voir quel bruit qu'elle a. Voilà. C'est pas dégueu, hein. Je pense qu'avec le pot d'origine, ça donne pas exactement ça, mais là, elle a un très beau bruit. Voilà, elle est un peu froide, donc je vais pas trop taper dedans, mais je le ferai tout à l'heure sur la route. Juste accélérer comme ça un peu. Bon bah on se retrouve sur la route, allez. Hey! Actuellement sur le R6 du coup. Bon, du coup sur le R6, donc on l'a acheté il y a 6 mois. Elle avait un peu plus de 50 000 km. On l'a acheté 2 500 €. Elle était à vendre 3 000 € sur le Bon Coin. Et je dis, ah, je vais tenter 2005, rien à perdre. Et le mec a dit oui, donc je fais ok. Du coup, 2005, on lui l'a acheté 2005, on en a eu pour 190 € de carte grise, je crois. Voilà, il avait tout fait dessus. Il nous a donné un gros dossier avec tout l'antécédent de la moto, donc on a le nom de tous les anciens propriétaires. Depuis le premier. Et ouais, il a fait 1 000 € de frais dessus avant de nous la donner. On a juste changé depuis le pneu avant qui était à changer. Le pneu arrière, peu importe. Non, c'est celui de l'avant. Ouais, bah celui de l'avant. Ah ouais, celui de l'avant était neuf. Du coup, on a changé celui de l'arrière. Entre 0 et 100, la Gladius monte plus vite, mais la Kawasaki elle donne un peu plus de sensation parce qu'elle a un peu plus de bruit et du coup t'as l'impression d'aller super vite alors que pas du tout. Mais le bruit est exceptionnel quand même. La position de conduite elle est un peu plus avancée, t'as les bras un peu plus écartés, du coup ça fait un peu plus sportif. Mais elle a vraiment une bonne conduite aussi, après c'est pas un... Enfin, moi j'ai acheté la Gladius, pour les longs voyages je préfère la Gladius, enfin, après j'ai été habitué avec ça. Après je pense que sur le R6 il faut juste modifier le guidon et prendre un guidon un peu plus haut pour avoir la même posture assise que sur la Gladius, mais ouais on est bien dessus quand même. Après tu sens que c'est un peu vieux et que ça a 50 000 bornes dans la tronche, quoi. On va se faire un petit 0-100. Je vais essayer parce que là c'est en montée. J'étais à 100 là, mais du freinage ça freine plutôt bien. Après je trouve moi qu'il y avait un léger guidonnage quand même dans le guidon. Je trouve qu'il y en a toujours un mais c'est vraiment tout petit, mais je pense que c'est à cause de ses antécédents de moteur, mais après c'est normal, je pense que c'est l'usure quoi. Ouais du coup l'assurance c'est à peu près 600-700 € l'année je crois, une 60aine d'euros par mois avec on va dire 2 ans de permis voiture derrière quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, l'assise est bien et tout. Si j'ai d'autres choses, je le dirai après, mais je serai sûrement sur la Gladius.